Quelqu'un donne Amen. Je sais que on vous a déjà dit de vous saluer tout à l'heure. Je voudrais juste que tu salues deux ou trois personnes encore, juste parce que. Mais des gens que tu n'as pas salué tout à l'heure. Donc va saluer au moins deux ou trois personnes que tu n'as pas saluées tout à l'heure dans sa magnifique présence et veuillez vous asseoir. Dieu est présent. Je dis va saluer deux ou trois personnes, ne reste pas là. Alléluia. Tu dis bonsoir avec le sourire. Et attention, quelqu'un te regarde. Dieu te voit, mon frère. Moi aussi, je te regarde. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette demeure où les gens ordinaires comme toi et moi deviennent des gens extraordinaires, des fils du royaume, des fils des disciples de Jésus le Christ. Gloire à Dieu, dis Amen. Je voudrais, avant de commencer, Seigneur merci pour la grâce que tu nous accordes encore de parler. Tu sais que nous ne savons pas parler, alors Saint-Esprit inspire toi-même les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous ne connaissons rien, nous n'avons rien, rien. Nous comptons seulement sur toi. Ta parole déclare que ce n'est pas par une volonté humaine qu'un homme ait parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et que les paroles ont eu un impact. C'est toi qui le fais. Esprit du Seigneur, glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus, pas au pasteur ni à qui que ce soit ici, seulement Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen, amen et amen. Nous rendons vraiment grâce à Dieu, encore ça a été dit, mais je tiens encore à le dire, pour la sortie des gagneurs d'âme hier. Vous savez pourquoi je prends le temps de revenir dessus? Parce que, vous savez, le travail le plus important sur la terre, c'est ça, c'est gagner les âmes à Christ, c'est sauver les vies. Ta vie va durer combien de temps sur la terre? Combien de temps tu as à vivre sur la terre? 80, 60, 100? Après tu vas aller où? Après tu iras où? Est-ce que tu le sais? Nous sommes tous des immigrés. Des voyageurs, des passagers, des voyageurs, des temporaires. Personne ici va rester sur la terre éternellement. Non, nous allons tous connaître la mort, c'est-à-dire le départ, la séparation. Tu vas aller où? Donc c'est bien de vivre une vie où ah, j'ai mon travail, j'ai mes maisons, c'est vrai. C'est pas mauvais. Mais il y a un travail à faire sur la terre tant que tu as envie. Un, être sauvé, première étape. Deux, sauver les autres. Te servir de la grâce que Dieu t'a donnée d'être sauvé pour aller donner la même vie aux autres. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants chaque fois. Si Dieu se sert de toi, juste pour aller sur le terrain, même si personne n'a accepté, mais le fait que tu as allé, tu as obéi à la grande commission. Le plus grand des commandements, c'est l'amour. Et c'est par amour, justement, qu'on accepte d'aller. Aller témoigner Christ. Aller donner la vie de Christ à d'autres. Les gens sont désespérés. Les gens souffrent. Et les gens ont besoin de Jésus le Christ. Ils n'ont pas besoin de la religion. Ne leur parle pas de ICC. Parle-leur de Jésus le Christ. Il est la réponse à tous les problèmes. Il est la solution à tous les problèmes des hommes. Les hommes ne le savent pas. Ils ont entendu parler de la religion. Non, nous ne parlons pas de nos églises. Nous ne parlons pas de nos pasteurs. Nous parlons de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur. Et il n'y en a pas d'autre. Un seul dans l'univers tout entier a été déclaré Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Son nom est Jésus le Christ. Il est la parole devenue chair. Et il est venu sur la terre, sa mort est un sacrifice. Il est venu pour sauver tous les hommes. C'est lui. Voilà pourquoi nous allons. Et quand on a vu les témoignages d'hier, il y a des gens qui ont été guéris. Je suis tellement heureux. Quand je vois des gens ordinaires comme toi et moi, ce n'est pas une question de titre de pasteur. Non, ils sont allés. Et quand nous allons là, nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par le gouvernement de l'univers, le gouvernement des cieux. Notre chef de gouvernement s'appelle Jésus de Nazareth le Christ. Il nous a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera baptisé, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais sa volonté, ce n'est pas que les âmes soient condamnées. Sa volonté, c'est que les âmes soient sauvées. Mais pour qu'elles soient sauvées, quelqu'un doit se lever, quitter sa zone de confort, quitter sa maison, quitter sa famille et aller témoigner Christ. Il n'y a pas de plus beau travail que celui-là. Quel que soit le travail que tu fais, ce travail-là est plus important et plus précieux. Et c'est un travail qui paye dans ce siècle-ci, dans ce monde-ci et dans le monde dans lequel tu passeras de l'autre côté. Quelqu'un me dit un bon amen. Toutes les fois que tu sors pour aller gagner une âme, mon frère, ma soeur, je te dis, tu es en train d'investir dans ton avenir. Tu es en train d'investir dans l'avenir même de tes enfants. Parce que le ciel reconnaît que tu es vraiment un ambassadeur, un serviteur. Et le ciel récompense toujours ses employés, ses agents. Il y a des pays qui ne payent pas leurs ambassadeurs, mais le royaume de Dieu paye toujours ses ambassadeurs. Et quand il les paye en toutes sortes de grâces.
Dedans, il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a la santé, il y a la préservation, il y a la sécurité, il y a le repos, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'assurance, il y a les enfants. Il y a tellement... Oh, quand Dieu paye, mon frère, oh, dis amen. Il faut croire, je n'invente rien. Je ne fais que dire ce qui est écrit. L'écriture ne peut pas être réinventée ou aménagée. L'écriture, le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pour terminer dessus, mon frère, ma soeur, je te le dis, toi et moi, tôt ou tard, de l'autre côté, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Si tu n'es pas conscient, je te le dis, devant le tribunal de Christ, on ne te demandera pas, il y a deux choses. Est-ce que tu es sauvé? C'est clair, tu comparais. Maintenant, deux, quelles sont les œuvres que tu as accomplies sur la terre? Les œuvres là, ce n'est pas qu'est-ce que tu avais comme travail ou argent ou maison. Non, c'est qu'as-tu fait pour agrandir la famille de Dieu et pour établir les gens dans la justice de Dieu? Qu'as-tu fait sur la terre pour aider les gens à ressembler à Jésus-Christ? Qu'as-tu fait sur la terre pour aider les gens à devenir meilleurs, à vivre une vie meilleure, à connaître pas toi, mais Dieu? C'est ça le travail. Pourquoi les gens ont autant de mal à comprendre cela? Je suis en train de parler, je sais que ton cœur est en train d'écouter. Là, je parle à toi qui n'es jamais sorti. Va témoigner. Sors. Il y a une sœur qui a fait ça hier pour la première fois, après beaucoup de résistance. À la fin, elle m'a dit, « Pasteur, c'est trop bien !» Pasteur, j'ai pu parler dans la rue. J'ai pu me tenir dans la rue. En même temps, tu brises l'orgueil qui est en toi. Dis amen. En même temps, tu brises l'imitation, la peur, l'intimidation. Tu brises et tu parles aux gens de Jésus. S'ils t'écoutent, gloire à Dieu. Ils ne t'écoutent pas, gloire à Dieu. Tu continues ton chemin. Quelqu'un t'écoutera. Gloire soit rendue à Dieu. Nous travaillons avec notre Père pour agrandir sa famille. Voilà pourquoi le diable est en colère contre nous. Moi, si j'étais à sa place, je le comprendrais. C'est normal. Quand on voit que Satan s'agite là, il faut avoir pitié de lui. Enfin, on n'a pas vraiment pitié, mais on comprend. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'on rit. Quand l'ennemi fait ses affaires, nous on rigole. Ils sont vaincus, le diable et les accusateurs, par le sang de Jésus-Christ. Il ne peut rien dire. Il peut essayer, mais il ne peut rien dire. Quel diable, le démon qui va venir devant moi pour me dire, je veux ta voix, tu vas m'avoir comment? Je suis couvert par le sang de Jésus. Et j'ai le pouvoir de t'écraser, de te dominer. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Même vous, là, qui êtes dans la sorcellerie, vous savez, non, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous vous calmez. Vous vous taisez, vous restez calme. Vos bêtises, là, ce n'est pas chez moi. Ni sous ceux de la famille ICC. Donne un amen. Amen. Venez faire peur à qui? Nous sommes trop conscients de l'œuvre achevée de Jésus pour nous. On se connaît. Voilà, donc on se connaît. Il faut rester calme. On se connaît. Tu sais que tu as essayé, ça n'a pas marché. Donc, il faut te calmer. Voilà. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qu'on peut intimider, puis il y a des gens qui sont inintimidables. Je sais que ce n'est pas français, mais ça existe quand même dans le vocabulaire biblique. C'est comme toi, tu es immaudissable. On ne peut pas te maudire, tu es déjà immaudissable. Alors, si c'est à toi que je parle, dis amen. 2019. Expansion par le, répète-le pour toi-même, tape sur la poitrine, dis 2019, d'accroissement, d'expansion par le, une dernière fois, tape sur ta poitrine, tu déclares 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le, acclame le glorieux Saint-Esprit, il brise les barrières, il brise les lignes, il franchit les obstacles. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il a commencé à faire. Et il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais acclamer l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ. L'Esprit de gloire. L'Esprit de grâce. Oh, béni soit le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous reconnaissons ton ministère. Nous reconnaissons tes œuvres. Tu es Dieu, tu es l'Esprit de Dieu, tu demeures en nous et avec nous. Et tu fais les œuvres de Christ, tu fais les œuvres du Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui est venu, envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Celui qui change les sorts, celui qui guérit, celui qui délivre. Il passe par nous, mais c'est lui qui fait les œuvres. Béni soit le magnifique et le glorieux Saint-Esprit. Il n'a pas changé, il est toujours le même, le Allos Paracletos. Nous t'honorons,
nous te bénissons. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour t'honorer. Seigneur, honore-le cette semaine. Seigneur, honore-le cette semaine. Honore ceux qui se sont levés cette semaine. Ils se sont levés pour t'honorer, pour t'acclamer. Seigneur, décore leur vie cette semaine. Seigneur, montre que tu honores ceux qui t'honorent de tout leur cœur. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit l'envoyé de la présence de Dieu, le coordonnateur de l'activité céleste sur la terre. À toi, appréciation. À toi, nos louanges. Et à toi, Père, nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, Esprit de Dieu, nous t'apprécions. Quelqu'un qui est d'accord avec cette prière me donne un amen en son honneur. Béni soit le Saint-Esprit. Waouh! Dieu habite en moi. Waouh! Je suis la maison de Dieu. Waouh! Veuillez vous asseoir. Je voudrais faire une dernière annonce. Le Seigneur est en train de nous parler depuis quelques semaines déjà. Il me parle par rapport à l'expansion justement de la famille ICC. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent, mais ce n'est pas parce que les gens attendent, c'est parce que Dieu a dit qu'il faut aller, alors nous allons. Mais nous allons là où Dieu nous envoie. Nous allons commencer à ouvrir des familles d'ici quelques semaines, quelques mois, des familles Impact Centre Chrétien à l'intérieur du Congo. Nous allons aller selon que l'Esprit dira. Donc pour ce faire, nous sommes en train de rechercher des maisons. Dis avec moi des maisons. Des maisons capables. À Ouesso, on a une maison dans laquelle on a commencé d'occulte. On commence petit, mais nous on commence toujours petit, mais on va finir très grand. Oh, dis-moi amen. Et à Ouesso, on a commencé et nous cherchons pour toutes les personnes qui ont des maisons, qui peuvent mettre à disposition des maisons en Kayi, des maisons à Sibiti, des maisons à Madingo, des maisons à Kinkala qui n'est pas très loin, à Boko, à Luingi. Donnez les maisons, faites-le savoir à Gamboma, à Oyo, à Owando, partout. Dieu nous enverra les amis, nous allons aller certainement. Il y a un peuple là-bas qui a besoin de voir briller la lumière de Christ. Il y a un peuple là-bas qui a besoin de la famille Impact Centre Chrétien. Donc, nous allons aller. Donc, si vous avez des maisons disponibles, tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Parce que quand nous allons aller, nous allons commencer d'abord par des familles. Amen. Et puis après, je définirai le mode par lequel nous allons aller. Mais nous allons vraiment aller. Parce que c'est notre année d'expansion. Quand l'église s'étend, tu t'étends. Quand l'église grandit, toi aussi tu grandis. Dis amen. Pour tout ce mois d'avril, nous avons parlé du même thème et nous sommes en train de continuer sur le thème de la délivrance des malédictions. Dis-moi amen. Mais pour cela, nous rentrons par le domaine de la foi, par l'enseignement sur la foi. Nous sommes en train de parler de la foi, engager la force de la foi, de la grande foi pour vivre et pour conquérir. La foi, il faut la foi pour vivre sur la terre et pour conquérir son héritage, conquérir toutes ses possessions, conquérir les grâces que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Il faut engager la force de la grande foi. Nous avons vu ensemble, mon frère, attention, c'est très dangereux. Je te dis, le monde est de plus en plus insécure. Le monde est de plus en plus totalement insécure. Donc fais attention, c'est dangereux de vivre avec une faible foi ou avec une petite foi. Ta foi doit bondir, ta foi doit grandir, ta foi doit augmenter. Jésus nous a dit, on parle de la foi de Dieu, celle que tu as reçue si tu es déjà né de nouveau. Quelqu'un dit amen. Mais à la nouvelle naissance, on reçoit une mesure de foi. Maintenant, il faut la faire grandir. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse grandir. Mais maintenant, on doit l'appliquer à un domaine. La foi, d'où est-ce qu'elle vient? La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ ou encore du message de Christ. La foi ne dépend pas de ce que je te dis. La foi dépend de ce que Dieu dit. Écoute-moi si je te dis ce que Dieu dit. Mais ne m'écoute pas si je te dis mes propres affaires. Non, ta vie ne peut pas être bâtie sur moi. Ta vie doit être bâtie sur ce que Jésus a accompli. La vie chrétienne est bâtie seulement sur ce que Jésus a accompli. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait pour eux. Ils n'ont pas compris ce qu'est Jésus et qu'est-ce qu'il a réellement accompli. Voilà pourquoi tellement de croyants, de frères bien-aimés qui aiment Dieu sont en train de souffrir. Mais beaucoup sont en train de sortir de ces souffrances par la puissance de la révélation de la parole. Si c'est de toi que je parle, donne un amen. Il nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire,
toutes choses sont possibles à celui qui croit. Comme Satan lui aussi sait que toutes choses sont possibles à celui qui croit, alors il attaque la foi. Et pour attaquer la foi, il attaque la compréhension, la révélation de la parole. Parce que il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Si on entend des bêtises à longueur de journée, chaque dimanche, il n'y a pas de foi. La foi sera en panne. Mais si tu entends la révélation du mystère de Christ, si tu entends la parole de Christ, si tu entends la parole prophétique, si tu entends la parole du Saint-Esprit, alors la foi va venir. Et quand la foi va venir, étape numéro 2, tu dois maintenant exercer la foi. C'est-à-dire engager la force de la prière, la force de l'autorité, la force de la proclamation. Mais avant d'engager la prière, il ne faut pas d'abord prier, il ne faut pas d'abord jeûner, il faut d'abord entendre quelque chose. Qu'as-tu entendu? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu dois entendre la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu sorte du livre, sorte de la Bible et qu'elle devienne chair. Il faut que la révélation te soit accordée. Elle t'est accordée par une parole. Par exemple, quand je dis que le mois de mai, c'est le mois de assez, c'est assez, c'est le mois de la délivrance des malédictions, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Parmi vous, il y en a qui vont dire, ce mois-ci, je reprends ce que Dieu a dit. Donc, c'est le mois pour moi de la délivrance de toute forme de malédiction. D'autres frères vont venir demain. Mais toi, tu ne dois plus être trouvé donc, parmi les gens qui sont maudits. Puisqu'on ne peut pas te maudire. Mais il y a encore des malédictions qui pèsent. Tu vas les casser et les détruire ce mois-ci, comme ça a déjà commencé le mois dernier. Si je parle à quelqu'un, dis amen et je continue. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre la parole de Dieu. Et donc nous avons expliqué qu'il faut revenir. La foi dont nous parlons doit être associée à l'œuvre achevée de Christ. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ a été enseveli. Le troisième jour, Christ est ressuscité. Oh, conformément aux Écritures. Et Christ est monté dans la gloire. Et Christ a envoyé le Saint-Esprit le 50e jour après sa résurrection. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est cela. Il ne parle que de Christ. La foi authentique, la foi de Dieu, vient de la compréhension que tu as de ce message. De ce message de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Quand tu comprends ce message et tu agis, tu réagis, tu agis, tu poses des actes, tu parles sur la base de ce message, comme tu vas le faire tout à l'heure, je te dis mon frère, ta vie ne peut que changer. Ta vie va changer parce que tu entends le message. Le message, le message. Christ est mort pour nos péchés. Le problème des hommes, c'était le péché. La racine de l'humanité, la racine des maux, des problèmes de l'humanité, c'était le péché. Le péché que Adam a fait entrer dans le monde suite à sa haute trahison. Quelqu'un devait venir pour changer les choses, pour remettre l'ordre sur la terre en redonnant aux hommes ce que les hommes avaient perdu. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. On a vu ces derniers temps que une des plus hautes formes de punition après le péché, c'était les malédictions. Les malédictions. Et quand je parle des malédictions, quand on parle des malédictions, il y a une malédiction qui englobe l'ensemble des malédictions. Il y a une malédiction qui englobe l'ensemble des malédictions et elle s'appelle la malédiction de la loi. Ce n'est pas celle qui est liée au livre de la loi de Moïse, non. C'est celle qui renferme tout ce qu'on peut appeler malédire, malédiction. Quelqu'un a prononcé une parole, un sort, un envoûtement. Ça peut être toi-même aussi par les consultations que tu as faites chez les devins, chez les marabouts, chez les sorciers, dans les maisons bizarres là où tu allais dire des choses, tu allais faire des vœux, tu allais faire des engagements. Il faut savoir que tout ce qu'on fait nous engage. C'est quoi réellement une malédiction? C'est une mauvaise parole qui est sortie et qui a déclenché une puissance invisible, une puissance spirituelle qui s'est attachée à ta vie et qui a eu le droit, parce qu'elle a été appelée dans ta vie, elle a eu le droit de venir et opprimer et détruire ta vie. La malédiction, c'est quoi concrètement? C'est comme une présence, c'est comme une influence. J'aime parler de l'influence. Dis avec moi l'influence. Oui, c'est-à-dire quelque chose qui est là ou une présence qui est là. Ce n'est pas quelque chose. En fait, c'est une présence. C'est une présence. C'est comme une ombre. C'est comme une présence qui est à côté de toi ou qui est en toi et qui détruit ta vie, qui détruit tes relations, qui détruit ton destin, qui détruit ta carrière, qui détruit même ta santé. Une présence, une ombre, une influence. Quelque chose qui est là, quelqu'un qui est là, invisible, que tu ne vois pas la plupart du temps, mais il est là. Il bloque ta vie et il fait tout
sorte de limitation pour t'empêcher de devenir ce que Dieu veut t'appeler à devenir. Il te pousse même à dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Il te pousse même à penser des choses que tu n'as pas envie de penser. Il te pousse même à avoir des sentiments que tu n'as pas envie d'avoir. Il y en a qui sont tellement tristes. Ça, ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Toute forme de colère, toute forme de tristesse, toute forme de peur ne vient pas de Dieu. Quand tu sens plutôt la joie, ça c'est Dieu qui est en train de te manifester sa présence. Quand tu sens la paix de tous côtés, on te canarde, on t'injurie, on t'insulte, on t'accuse, mais tu sens la paix. Là tu sais que la présence de Dieu est en train de te remplir. Mais quand tu sens la peur, l'angoisse, régulièrement, constamment, jour après jour, semaine après semaine, année après année, tu vis dans les mêmes choses et tu ne sais même pas pourquoi je vis ces choses. Mon ami, tu es en présence d'une présence, tu es en présence d'une influence qui est en train d'impacter ton âme. Elle impacte aussi ton corps par des maladies incurables et toutes sortes de choses. Ce sont des malédictions et ce sont les conséquences du péché. Si quelqu'un me suit, dit amen. Ah oui, fais attention mon ami. Pourquoi c'est important de parler de ces problèmes de malédiction? Parce qu'on a entendu tellement de choses à propos des malédictions. Jeûne 7 jours pour briser la malédiction. Fais une offrande pour briser la malédiction. Ce n'est pas forcément mauvais, ça peut être vrai. Le problème c'est que ces choses sont faites après avoir compris le message de Christ. Si tu pries, tu fais une offrande, mais tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi, mon ami, ton offrande ne servira à rien. Ton jeûne, ta prière ne servira à rien. Dieu nous a enseigné que pour sortir des malédictions, il faut plaider le sang de Jésus. On sort seulement par le sang précieux de Jésus. On brise les barrières, on brise les limitations, on brise les lois établies, on brise l'ordre établi par le royaume des ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus n'a pas été assez enseigné dans les églises. Il y a 200 ans, 300 ans, les églises ne faisaient qu'enseigner sur la puissance du sang. Et dans ces églises-là, il n'y avait pas beaucoup de malades, pas beaucoup de gens captifs, pas beaucoup de gens opprimés, pas beaucoup de gens qui péchaient constamment. Ils étaient conscients de la puissance qui était dans le sang de Jésus-Christ. Église, Dieu nous ramène aux fondations. Il faut comprendre la puissance du sang pour sortir de toutes ces malédictions. Si je parle à toi, tu me dis un bon amen et je continue. Je te dis qu'à cesser ma prière, mon souhait le plus profond, tu vas sortir. Mais tu sortiras que si tu entends la parole. Tu en sortiras seulement si tu honores la parole. Si tu as la foi, Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas la foi. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire. Avant que Dieu fasse quelque chose pour un homme, il envoie sa parole. Et puis il te dit, crois en ma parole. Ça veut dire, fais-moi confiance. Non! Tu n'es pas digne de confiance. Tu viens de paralyser la grâce et la main de Dieu. La puissance de Dieu n'agira pas parce que tu pleures. Non. La puissance de Dieu n'est pas déclenchée avec les pleurs et les larmes. Non. Ni avec les prières. Non. Mais elle est déclenchée avec la foi. Avec les prières de foi. Avec les prières de foi. Ça dit, je viens prier, mais je prie, je te fais confiance. Tu as dit qu'à CCAC, je te fais confiance. Tu as dit que je sors par le sang de Jésus, je te fais confiance. Et comme tu as dit je sors, moi aussi je dis je sors par le sang de Jésus. C'est ça. Mais tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Il envoie sa parole. Il faut que tu écoutes sa parole. Et il faut que tu valorises sa parole. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Et parmi les malédictions que le Seigneur m'a dit de parler aujourd'hui, parmi les malédictions ou encore les manifestations des malédictions, il y a une malédiction particulière que beaucoup ne comprennent pas et beaucoup n'expliquent pas. Je vous dis que les malédictions, personne ne peut dire ça a commencé quand, ça va finir quand, ça vient d'où, de quel côté. Il n'y a que Dieu pour te le révéler. Mais la plupart du temps, les gens ne savent pas d'où ça vient. Je vis des choses, je vis une situation, je ne comprends pas. Mais tout ce que je vois, c'est que je vis la chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça me dérange. Je ne suis pas à l'aise, je me sens malheureux, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu n'y est pour rien. C'est une influence, c'est une présence démoniaque dans ta vie qui est en train de causer des dommages. Et cette présence, il faut détruire son influence. C'est le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Tu me dis amen. Et c'est le but de tout ce que Dieu va faire ce mois de mai. Le mois de la délivrance. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis amen. Et je voudrais parler ce matin en particulier d'une malédiction qu'on appelle la malédiction de la pauvreté et de la misère. Dis avec moi la pauvreté. Oh oui, la pauvreté. On en parle partout dans le monde. C'est la chose d'ailleurs dont tout le monde connaît. On fait des programmes pour combattre, pour lutter contre la pauvreté. Mais est-ce que la pauvreté, c'est quoi d'abord la pauvreté? Qu'est-ce que c'est réellement la pauvreté? Bibliquement parlant, la pauvreté, c'est quoi? C'est le manque.
le manque de tout. À quel moment on peut dire que quelqu'un manque de tout? À quel moment on peut dire que quelqu'un est dans un état de pauvreté? La pauvreté, c'est lorsque quelqu'un n'a pas à manger, lorsque quelqu'un n'a pas à boire, lorsque quelqu'un n'a pas de quoi se vêtir. Ni à manger, ni à boire, ni de vêtements. Ça, on est dans les critères même de la pauvreté. Et c'est les conséquences après, c'est les endettements, les surendettements, etc. Mais faites attention, quelqu'un peut avoir de l'argent et puis être quand même pauvre. Parce que ça commence d'abord dans l'esprit. C'est d'abord une mentalité. C'est d'abord un état d'esprit. Quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent, mais au milieu du mois, l'argent que j'ai gagné est où? Il ne sait pas. Il a dispatché, il a déversé l'argent partout. Il se retrouve avec lui encore dans la galère. Il a un bon salaire, mais il est toujours dans la galère. Il a un bon salaire, mais il est toujours dans la galère. Il est tellement dans la galère que c'est comme s'il n'avait pas de travail. La pauvreté. La pauvreté n'est pas un phénomène. Ce n'est pas une science. Avant toute chose, la pauvreté est d'abord un esprit. C'est d'abord, il faut comprendre ça, frère. C'est d'abord un esprit. Quand tu lis le livre de Deutéronome, chapitre 16, jusqu'au plus de 60, tu vois les conséquences des malédictions. Et il t'explique comment parmi les conséquences des malédictions, là, le manque de nourriture, le manque d'eau, le manque de vêtements. C'est-à-dire l'incapacité à jouir de la vie. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient heureux dans sa présence. Dans sa présence, pas loin de sa présence, mais dans sa présence. Dieu a créé les hommes pour qu'ils s'épanouissent. Dieu veut rendre son peuple heureux. Dieu veut rendre son peuple joyeux. Qui est ce père? Qui est cette mère qui ne voudrait pas que ses enfants soient heureux? Non. Si méchants comme nous sommes, nous savons rendre nos enfants heureux. On leur donne de la nourriture quand on peut le faire. On leur donne des cadeaux quand on peut le faire. Combien à plus forte raison le père ne prend-il pas plaisir à bénir son peuple, à bénir ses enfants? On me dit amen. Amen. Dieu veut bénir ses enfants parce que Dieu aime ses enfants. D'ailleurs, tu remarqueras, quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie de lui faire du bien. Oui ou non? Aimer, c'est faire du bien. On ne peut pas aimer quelqu'un. Je t'aime, mais je te maudis. Ça, c'est quel amour? Je t'aime, mais tu es méchant. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, l'amour parle avec bonté. Mais quelqu'un dit amen. La pauvreté, l'incapacité à jouir de la vie. Tout est pénible. Tout est compliqué. Début du mois, compliqué. Fin de mois, compliqué. La pauvreté, c'est un esprit d'abord. Satan attaque la révélation de la parole. Mais dans ton cas aujourd'hui, il a échoué. Satan attaque les mains des hommes. Quand on étudie bien les Écritures et quand on voit comment le sang de Jésus a été versé, on se rend compte qu'en fait, partout où le sang de Christ a été versé, Jésus était en train de te délivrer de la puissance du diable dans ces différents domaines. Et quand on parle de la pauvreté, on parle toujours des mains. Toujours les mains. Pourquoi? Parce que les mains parlent de travail. Les mains parlent de richesse. La pauvreté, ce n'est pas le fait de travailler. Non, 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 parce que tu peux travailler, mais ne jamais avoir assez. Mais de travailler, avoir assez. Ça ne veut pas dire que tu vas être millionnaire, milliardaire. Non, 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 on ne parle pas de ça. Mais on parle de avoir, de quoi pourvenir, de quoi souvenir à ses besoins et avoir un peu pour pouvoir bénir les autres aussi. Est-ce que tu entends? Quelqu'un qui n'est pas dans la pauvreté, c'est quelqu'un qui arrive à pourvoir à tous ses besoins. Et après, il a toujours un peu plus. Il dit, ah frère, j'ai envie de faire du bien à un tel. J'ai envie de faire du bien à un tel. On dit, ah merci. Ça peut être 500, hein? Ça peut être 5000, ça peut être 20000, ça peut être 100000, qu'importe. Mais tu as toujours un extra, quelque chose supplémentaire quand tu as pourvu à tous tes besoins. C'est ça, c'est ça, ça c'est ton partage. Maintenant, si tu as beaucoup d'extra, tu peux aussi donner beaucoup d'extra. Oh, je croyais que tu allais me dire un bon amen. Mais Satan ne veut pas cela. Il veut coincer les hommes. Il veut rendre les gens, il veut faire que les gens vivent sur la terre toujours frustrés, jamais épanouis, toujours nerveux, toujours stressé. Parce que quelqu'un qui est poursuivi par la pauvreté, quelqu'un qui est sous l'influence d'un esprit de pauvreté, a beaucoup de problèmes. Et Dieu veut t'en faire sortir. Parce que pourquoi? Je te le dis d'emblée. Parce que Jésus-Christ a connu la pauvreté pour que toi tu ne sois plus pauvre. Ah non! Dis-moi amen. Dieu ne veut pas que tu souffres autant. Ça te rend nerveux, ça te rend colérique, ça te rend angoissé. Pourquoi? La pauvreté n'est pas une bonne chose. Qui a envie de prendre plaisir à manquer de tout? Personne. Et Dieu ne veut pas que tu manques de quoi que ce soit. Bien sûr, il peut y avoir des périodes de désert.
Tout le monde connaît les périodes de désert, les traversées de désert, les périodes de galère où tu n'as ni à manger, ni à boire, ni de vêtements. Tu ne peux pas t'acheter un vêtement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Gloire à Dieu. Mais c'est une saison. On appelle ça le désert. Et le désert est très utile. Le désert est même indispensable. Je ne crois pas en quelqu'un que Dieu élève sans qu'il soit passé par le désert. David est devenu roi, il est passé par le désert. Le désert de Engedi, la caverne d'Abdullah, le gars est passé par les galères. Il y a des saisons, mais ça ne peut pas durer quand même toute la vie. Là, je te parle d'une situation qui dure d'éternité en éternité. Depuis 1910, tu es dans la galère. Non, frère, tu dois sortir. Je sais que tu n'es pas né en 1910. On est ensemble. Mais c'est un exemple pour dire que ça fait trop longtemps que ça dure. Assez, c'est assez. Même la qualité de ta réponse détermine ce que tu vas faire. Non, ça suffit. Il faut que ça change. Je ne peux plus. Dis-moi amen. Les malédictions. Cette influence dont on parle, cette influence démoniaque qu'on appelle malédiction, ou encore malédiction de pauvreté, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement, il y a tellement de types de malédictions. Mais permets-moi de faire une fixation sur d'abord la pauvreté. Dis amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il doit briser des influences sur ta vie. Écoute-moi. Dieu a parlé, il s'est révélé à un homme qu'il voulait bénir. Dans moi, Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. On l'a vu en matin en prière. Mais comme toi, tu ne viens pas en matin en prière, donc on est obligé de répéter ça le dimanche. Il y en a qui ne viennent pas en matin en prière. Il y en a qui ne viennent pas à ADG le soir, dans sa glorieuse présence. Bon, ok. On va quand même dire ce qu'on peut dire aujourd'hui. Voilà, je ferme la parenthèse. Gloire à Jésus le Christ. Dieu voulait faire quelque chose de grand avec Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi une grande nation. N'oublie pas, hein, Abraham c'est le père de la foi. Autrement dit, Abraham c'est l'ancêtre des croyants. La Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham, la descendance spirituelle d'Abraham. Oh, quelqu'un dit amen. Ah oui, la bénédiction d'Abraham a été donnée aux croyants, à ceux qui sont en Christ. Donc se dit, ce que Dieu dit à Abraham, il le dit aussi à toi et à moi. Non, avant de dire amen, écoute d'abord la parole. Il faut que tu écoutes. Dis à ton voisin, écoute. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, de toi là, je vais faire sortir une multitude de peuples, une multitude d'individus. Est-ce que tu sais que de toi peut sortir beaucoup, 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 beaucoup d'enfants? Enfants naturels, enfants spirituels. Dis amen. Toi qu'on dit insignifiant, toi qu'on dit raté, toi qu'on dit presque mort, toi qu'on dit il n'y a plus d'espoir, c'est vrai. Ça, c'est ce que les hommes ont dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit à Abraham, un gars qui était un païen, il sort de son environnement d'idolâtrie. Il dit, Abraham, je veux faire de toi, j'ai des projets pour toi. J'ai des projets pour toi, Abraham. Et c'est ce que Dieu dit ce matin à toi qui entends le son de ma voix. Je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, de toi va sortir des multitudes d'individus. On dit, amen. Je te bénirai. C'est-à-dire, je vais te gaspiller de faveur et de grâce et de bonté de ma part. Je te bénirai. Mon ami, écoute ce que Dieu dit. Ne considère pas ta vie passée. Considère ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Si seulement tu es capable de prendre ces paroles au sérieux, ces paroles vont libérer la puissance de l'Esprit qui va te localiser et te transformer et te bénir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu es assis là, on ne te connaît pas, on ne te connaît pas. Personne ne peut parler de toi. Mais Dieu dit, j'ai un projet. Celui qui est en moi là, je te rends ton nom là, on en parlera. À qui cette parole est-il? Si c'est à toi que la parole est venue, il faut dire amen. Non, ce n'est pas pour qu'on fasse le matalana. Oh, il veut être grand. Non, ce n'est pas ça. Mais pour qu'on sache que Dieu a béni un homme, Dieu est passé par un homme, Dieu a fait grâce à un homme. Et les gens vont dire, ah, mais si Dieu a fait ça avec Abraham, mais il peut le faire aussi avec moi. Si tu peux le faire avec toi, il peut le faire aussi avec d'autres. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu qui est juste. Oh, dis amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, brusquement maintenant commence à faire sortir son nom. Et on commence à sortir et sa renommée va commencer à s'accroître. Bien sûr, on peut le critiquer, l'injurier. C'est normal toi aussi. Mais c'est Dieu qui rendra ton nom grand. Il le rendra grand. Qui t'aime pas, ils vont dire, ah,
les gars là, pas blaguer avec eux, hein. Ça sera ton partage, ça sera ton partage et ça sera ton partage. Dans le verset, j'ai pas dit de le lever. Et tu seras une source de... Il dit à Abraham, Abraham, j'ai un projet. Je veux faire de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'à partir de toi, oh Abraham, mon serviteur, mon enfant, à partir de toi, les gens vont recevoir des grâces. Les gens vont recevoir la lumière. Les gens vont recevoir la paix. Les gens vont être heureux. Les gens vont se marier. Ils vont avoir des affaires. Ils vont avoir des commerces. À partir de toi, Abraham, j'ai un projet grand pour toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Autrement dit, les gens vont être bénis, mais ça va commencer par toi. Ça passera par toi. Est-ce que tu sais que toi qui es assis là, tu as l'air de rien? Tu ressembles à rien. D'ailleurs, même tu es mal habillé. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à sa parole et à ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. Si c'est à toi que je parle, dis amen. Les hommes regardent toujours aux vêtements, à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ça. Il est venu dans Gédéon 6, dans la maison d'un homme qu'on appelle, dans justice, dans la maison d'un petit, un jeune homme, sa famille, dernier. Lui-même dernier, tout était dernier chez lui. C'est-à-dire le genre de cas pour lequel il n'y a pas d'espoir. Le genre de cas, on dit franchement, lui là, Kenikuna, pauvre type, pauvre fille, misérable. Dieu aime les gens comme ça. Parce qu'il voit seulement le cœur. Il dit, moi je ne cherche pas que tu sois beau, je veux te rendre belle. Je ne cherche pas que tu sois. Je ne cherche pas les diplômes, je veux faire de toi quelqu'un. Mon ami, quand Dieu, mon frère, quand Dieu aménage, il dit, je veux faire de toi quelqu'un. Satan pourra te torpiller, comme il le fait avec moi là. Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Il dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Oh, il dit, mais à qui tu parles? Moi, je suis un zéro. Il dit, j'ai dit, l'Éternel est avec toi. Ça, c'est le mot de passe. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Ça veut dire, la suite là, c'est vaillant héros. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Mon ami, ton Christ est avec toi. Tu deviens ce qu'on appelle un vaillant héros. Acclame ce Jésus et dis amen pour toi-même. Oh, dis amen. C'est ce que tu es. Est-ce qu'il y a des vaillants héros de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des vaillants héros de Dieu ici? Si c'est le temps que je parle, donne un amen pour toi-même. Ah oui. Tu sais, quand je te parle comme ça, ne t'occupe pas de ton voisin. Non, non, mon ami. Laisse les autres assis en train de dormir. Toi, mon ami, réponds à la parole. La parole de Dieu te localise ce matin. Il y a des gens là. Dieu aime les cas que personne ne regarde. Il aime les choses méprisables, les choses faibles, les choses fragiles, les choses insignifiantes. Et il regarde, il dit, oui, je ferai de toi quelqu'un de grand. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai. Oh non, tu es fidèle. Quand Dieu a dit, ce qu'il a dit va s'accomplir. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? C'est ton histoire. Je suis en train de te raconter ton histoire à venir. Je te parle de ton témoignage. Je te parle de ton témoignage. Ce qu'on dira, on dit, ah frère, mais tu es béni comme ça comment? Tu dis, mon ami, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne suis rien, c'est Jésus qui a fait. À Dieu soit la gloire, à Dieu la louange. Oh, je pensais que tu allais me donner un amen pour toi-même. Oh. C'est ce qu'on dira. Crois dans ses paroles, crois. Ce que Dieu a dit pour Abraham, il le dit aussi à toi, descendance d'Abraham. Ce que Dieu a dit pour le père Abraham, il le dit aussi à toi qui entends le son de ma voix. À toi qui es né de nouveau. Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce que tu m'entends? Crois dans ses paroles. Si tu ne crois pas, la parole ne peut pas te transformer. Mais si tu crois, la parole va courir dans ta direction avec vitesse. La parole transforme le cœur de quelqu'un. La parole de Dieu a changé ma vie. Il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. Et je suis joyeux. Parce que moi, Dieu m'aime, ça suffit. Mon ami Dieu, moi, c'est la majorité absolue. Tous les restes sont en infériorité. Moi, je suis en supériorité absolue. Supériorité contre infériorité. Qui gagne? Supériorité. Mon ami Jésus est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Est-ce qu'il y a des braves de Jésus ici ce matin? Est-ce qu'il y a des vaillants héros de Dieu ce matin dans ce lieu? Si tu es un vaillant héros, dis un mot amen pour toi-même. Fais-le savoir. N'oublie pas que quand je dis amen là, tu
un message. Ton amen, c'est un signal. Dans le camp du diable, tu dis, hey, je suis un vaillant héros de Dieu. Moi, j'aime parler comme ça. Que tous les diables, ils sachent que j'ai dit que je suis un vaillant héros de Dieu. Et c'est ton partage aussi. Là, je suis déjà énervé. Bon, il faut que je me calme. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a déclaré, sa main va l'accomplir. Non, ne t'inquiète pas si tu n'es rien. Non, ne t'inquiète pas, Abraham aussi n'était rien. Tu entends? Quand il a parlé à Abraham, le gars n'était rien. Et puis il a vu qu'il y a des problèmes. Mort dans sa famille, stérilité, tout ça là. Mais Dieu a transformé sa vie. Abraham crut. Tu dois croire. Quand tu crois, tu as tout le dire à Dieu, tu es capable de faire ce que tu as dit. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, je ne vois même pas comment tu vas t'y prendre. Mais je crois. Parce que toi, tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Dis amen et je continue. Ça, dans Genèse 12, verset 2, Dieu dit à Abraham ce qu'il veut faire avec Abraham. Tu as compris? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Mais ça, c'est ce qu'il dit au verset 2. Mais au verset 1, il y a un préalable. Abraham, voilà ce que je veux faire de toi. Mais il y a quelque chose que tu dois faire auparavant. Abraham, mon fils, mon serviteur, sors. Come out. Sors de la maison de ton père. Non, sors de ton pays. 1. Sors de ta patrie. 2. Sors de la maison de ton père. 3. Et va dans le pays que je te montrerai. Le pays où coule le lait et le miel. Abraham, j'ai de grands projets pour toi. Mais avant ça, il faut que tu sortes. Mais de quoi, Dieu? De la maison de ton père. 1. De ta patrie. Donc ton ethnie. 2. De ton pays. 3. Oh, ah bon? Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais il ne peut pas les faire. Parce que tu n'es pas encore sorti. Oh, mais j'ai quitté la maison. Il ne parle pas de cela. Il te parle des influences. Il ne te parle pas de quitter. Oh, mais j'ai quitté. Mon ami, il y en a qui ont quitté le Congo. Ils sont allés aux États-Unis. Mais les influences démoniaques sont là. Les esprits démoniaques les tourmentent. Ils sont à Washington. Ils sont à Paris en train de frimer. Mais l'esprit de pauvreté les rattrape. Quand toi tu voyages à Paris là, tu dis grand comment? Ah petit, poto, c'est la galère, hein, poutou. C'est la galère. Non, c'est pas la galère, c'est l'esprit de pauvreté. Est-ce qu'on peut parler ou bien on doit arrêter? Il vous mystifie quand il vient en vacances. Il galère pour avoir le billet. Et quand il a le billet, maintenant il vient au Congo. Il est en train de frimer avec Weston, le machin. Le gars, il galère. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Il a quitté le pays, mais le pays ne l'a pas quitté. Il a quitté le village, mais les influences du village ne l'ont pas quitté. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des gens qui ont fait des sorts. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont fait des déclarations. Ils ont fait des rituels. Ils ont fait des vœux, des dédicaces, des consécrations dans le monde spirituel. Ils ont consacré leur postérité à des démons. Il y en a dans certains cas, ils ont appelé l'esprit de pauvreté. Dans cette famille, il y a un esprit de, au-delà, au milieu des autres esprits, il y a aussi un esprit qu'on appelle la pauvreté, qui fait que tu es toujours dans le manque. Tu fais beaucoup d'efforts. Même tu as un boulot, mais regarde ton travail. Tu n'arrives même pas à couvrir tes charges, c'est la pauvreté. Tu n'arrives même pas à manger, à boire, c'est la pauvreté. Dieu n'aime pas ça. Dieu est en colère, dit non, je ne t'ai pas créé pour cela. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon désir. Mais tu es en train de subir, pourquoi? Parce que dans la maison de ton père Abraham, il y a un esprit de pauvreté. Moi j'avais dit, par David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je marcherai, donc j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais toi, tu es en train de vivre la parole contraire. La pauvreté et la misère m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je vis dans la galère. Non, ce n'est pas ça le verset. Ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie dit que le bonheur et la grâce. As-tu déjà réfléchi au fait que le bonheur et la grâce dont on parle, c'est une présence? Le bonheur et la grâce sont menés par une présence.
la présence de Dieu. Il dit, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel, qui me donne le bonheur et la grâce? C'est l'Éternel. C'est l'Esprit. On l'appelle encore l'Esprit de l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit. Mais là, dans le cas d'espèce, c'est la pauvreté, la misère m'accompagne. Non, il faut que ça change. Assez, c'est assez. Mais d'où ça vient? Ça vient. Tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi ça ne change pas? Dieu dit à Abraham, parce que tu n'es pas encore sorti. Il y a des influences. Il y a des choses qui ont été faites par tes aïeux. Un, dans la maison familiale. C'est-à-dire parmi les ancêtres, là, il y a quelque chose qui a été fait qui te poursuit. Et Dieu veut le briser encore aujourd'hui. Il y a des esprits de pauvreté qui viennent de ta maison. C'est ce que les anciens ont fait. Mais qu'importe. Comment on sort de là? On te l'a déjà dit. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Pas par le jeûne et la prière, non. Le jeûne et la prière doivent s'appuyer sur son sang. Par son sang, nous avons la délivrance, la libération. De quoi? De l'esprit de pauvreté. Autrement dit, quand je plaide le sang de Jésus, je dis par la puissance du sang de Jésus, je brise l'influence de l'esprit de pauvreté sur ma vie. Tu es exaucé. Et tu tiens ferme, tu es exaucé. Mais tu le dis par la foi, après avoir entendu le message. Quand tu le déclares, personne ne peut s'opposer. Parce que tout est possible à celui qui a la foi. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit ce matin? Mon frère, il ne faut pas être distrait, il faut être avec moi. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit ce matin? Oh, mais figure-toi qu'il y a des choses qui viennent de la maison des pères, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des influences, des malédictions qui ne viennent pas de la maison des pères seulement, mais qui viennent de la patrie, c'est-à-dire de l'ethnie à laquelle tu appartiens, de la région où tu es né. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont sortis des malédictions qui venaient de la maison des pères, mais ils n'ont pas brisé les influences qui venaient de la région où ils ont grandi, là où leurs parents sont nés, là où ils sont nés eux-mêmes, là où ils ont vécu. On appelle cela la patrie, ou encore le village, ou encore la ville de naissance. Ça s'appelle la patrie. Abraham, j'ai de grands projets pour toi, mais il faut que tu débrises ces malédictions. Pourquoi? Parce qu'elles vont toujours agir dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas traité aujourd'hui va te poursuivre demain. Voilà pourquoi il faut prendre le taureau par les cornes dès maintenant. Tu dis, hey, assez, c'est assez. Je vais arrêter ça pour ma vie, pour mes enfants, pour mon avenir, pour ma postérité. À partir de moi, doit commencer la génération de la bénédiction dans tous les domaines. Assez! Assez! C'est assez. Abraham, sors! Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais, que tu n'aimes pas faire, mais qui sont liées aux manières de faire, à la culture, aux pratiques qui viennent de là où tu es né? Est-ce que tu le savais? Il y a des lieux, il y a des endroits dans la Bible, on a vu, qui étaient des endroits maudits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des villes maudites. Ça veut dire quoi? Des villes qui sont contrôlées par certaines entités spirituelles. Et quand tu rentres dans cette ville-là, mon ami, tu es sous l'influence de cet esprit qui contrôle la localité. S'il y a un esprit qui contrôle Brazzaville, et il y en a, crois-moi, mais il n'a pas le pouvoir contre moi. Parce que s'il contrôle Brazzaville, s'il y a un esprit de pauvreté qui attaque Brazzaville, et tu sais qu'il y en a un, tu sais qu'il y en a un, il attaque Brazzaville, mais toi tu l'as sorti de son contrôle pour faire en sorte que toi tu viennes dans la ville. Mais ce qui arrive aux gens de la ville ne t'arrive pas. Pourquoi? Parce que son influence ne peut pas s'exercer sur ta vie. Comment ça se fait? Tu l'as détruit par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Tu annules cette influence. Il peut travailler sur tout le monde. Et toi, il dit, lui là, il est intouchable. Lui là, il est scellé. Lui, il est couvert. Lui, on ne peut pas le toucher. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, dans ta famille. D'où tu viens? Non, tu as une famille. Dans ta famille, s'il y a un esprit de pauvreté, et tu sais que dans beaucoup de cas, beaucoup de familles, il y a la pauvreté, doit dire, je voulais t'étrangler, mais j'étais toujours eu dans ma marmite, dans ma casserole. Et tu es sorti, comment tu as fait pour sortir? Le sang de Jésus aujourd'hui va te faire sortir. J'ai dit que le sang de Jésus te fait sortir. Jésus est parti dans une ville. Dans Luc chapitre 10 au verset 13, Jésus dit, il parle, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Ça veut dire maudit sois-tu Chorazin,
maudit sois-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits, qui ont été faits au milieu de vous, Chorazin et Bethsaïda, avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les villes de Tyr et de Sidon se seraient déjà repenties. Jésus dit, ces deux villes-là, elles sont maudites. Elles sont sous le contrôle d'un esprit d'incrédulité. Les gens qui habitent à Tyr, et plutôt à Chorazin et à Bethsaïda, ils ont tendance à être des raisonneurs. Ils refusent la parole de Dieu. Quand ils voient un miracle que Jésus fait, ils disent, c'est pas clair. C'est un cas suspect. S'ils voient quelque chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, Dieu l'élève, il a touché. Il ne croit pas en la puissance de Dieu. Il ne croit pas en la grâce de Dieu. Il ne croit même pas en l'amour de Dieu. Pourtant, il parle de l'amour de Dieu. Il parle de la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais qu'on peut parler de quelque chose sans y croire? On peut même chanter, hein? Il est puissant, puissant. Mais tu ne crois pas qu'il est puissant. Quand il manifeste sa puissance, tu dis, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Oh non, c'est pas clair. Un jour, dans Marc 8, verset 22, en parlant de Bethsaïda, Jésus s'est rendu à Bethsaïda. Dans Marc 8, verset 22. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le priait de toucher l'aveugle. Au verset 23, il dit que Jésus prit l'aveugle par la main. Il est à Bethsaïda. Au lieu de prier pour l'aveugle, comme il a fait pour les Bartimée, non, il prend l'aveugle par la main. Et lui dit qu'il le conduisit hors du village. Il dit, petit, je ne peux pas prier pour toi ici. L'atmosphère d'incrédulité est trop grande. Je ne peux rien faire ici. Si je fais, tu ne reçois pas de miracle. Parce que dans cette ville-là, les gens doutaient de Dieu. Ils doutaient de la puissance de Dieu. Ils doutaient de la capacité de Dieu. Mais qui les poussait à douter? C'est pas eux-mêmes. C'est un esprit qui contrôlait les pensées des gens. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Il y a des esprits qui contrôlent, dominent les nations, ils contrôlent le territoire. Ils influencent la manière dont les gens pensent dans le territoire. Ils influencent la manière dont les gens ressentent des choses dans le territoire. Ils contrôlent même les actions des gens sur cette localité-là. Bethsaïda, les gens ne croyaient pas et ils ne voulaient pas croire. Jésus prend le gars, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur les yeux et il lui imposa les mains. Il demande, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les gens comme les arbres. Il fait une deuxième fois. Deuxième fois. Et là maintenant, le gars voit, puis il dit, je vois maintenant distinctement. Dès que le gars voit distinctement, Jésus, verset 26, il le renvoya dans sa maison en lui disant, n'entre pas au village. Fuis la vie de Bethsaïda. C'est une vie d'incrédule. Le genre de scénario où quand il a été guéri, il va repartir dire aux gens, j'ai été guéri, j'étais à ICC là-bas, on m'a guéri, Dieu m'a guéri. Il dit, là-bas, j'ai guéri. Quelle guérison là. Là-bas, ce n'est pas Jésus. Miséricorde, misérable, ignorant, pauvre fou. Tu parles des choses que tu ne connais même pas. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont maudits parce qu'ils osent parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils attirent sur eux le nuage de malédiction. Pas ce que Dieu a placé, ce que eux-mêmes ils sont allés appeler. Par leur incrédulité et leur ignorance. Miséricorde. Cet homme, Dieu dit, ne rentre pas là-bas. Il y a des moments quand Dieu te fait du bien. Il ne faut pas aller voir les gens avec qui tu étais hier. C'est les mêmes gens qui vont te combattre. Ils vont combattre la... Ok, vis encore. Vis seulement. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen et je continue. Il y a des lieux où Jésus a eu du mal à opérer. De la même manière, fais attention. Il y a des influences qui viennent de la maison, c'est vrai. Le monde spirituel est complexe. Il y a donc des influences qui viennent de ta maison, la maison de tes pères, c'est vrai. Mais il y a aussi des influences qui viennent de ton ethnie. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui caractérisent certaines ethnies? Bon, nous au Congo, on est un pays trop bien. Donc nous, on n'a pas de problème. Donc je saute l'exemple du Congo. Dis-moi Amen. Mais je vais par exemple parler des autres pays dont je tairai le nom. Il y a des pays, par exemple, où il y a certaines ethnies, où là-bas, là, tous les gens qui naissent là-bas, ce sont des escrocs. C'est-à-dire, ils aiment voler. Oui, il y a des pays, est-ce que tu sais que même quand tu vas maintenant aux États-Unis, en Europe, à Dubaï, il y a des passeports, quand on voit ton passeport, on dit, ça c'est un pays à problème. Parce que, non, je suis sérieux, parce qu'ils disent, dès qu'on se voit ton passeport, ils te disent escroc, voleur. Ce n'est pas eux.
C'est l'esprit qui gère le territoire d'où ils sont nés. Qui a fait d'eux des voleurs. Donc, même quand il se convertit, il aime Jésus. Il aime Dieu. Mais il est encore sous l'influence de l'esprit de vol. Donc, il vient à l'église, il vole encore. Et il sait que c'est pas bien. Hein? Mais il est comme... Ah, parce que tu souris, c'est ton cas. Si tu comprends de quoi je parle, dis amen et je continue. Ouais. Les gens ont des comportements, ils ont des attitudes qui ne viennent pas vraiment d'eux, mais ils sont poussés par un esprit qui ne contrôle pas. Et ils n'arrivent pas à l'expliquer. Il y a des gens qui viennent de certaines régions où les gens, la fornication à gogo, 7 jours par semaine, 7 jours il doit coucher. Si ce n'est pas sa femme, il me faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Madame est en voyage. Jeune, viens ici, viens. Il faut. C'est un démon. C'est un esprit d'impudicité. C'est un esprit d'immoralité. C'est un esprit de débauche. Pornéia en grec. Et il te pousse à faire, à vouloir toujours coucher. Et les femmes, et les hommes. Les femmes là. Ah! Il y a certes pas au Congo. Non, le Congo, nous on est bien. Mais il y a certains pays où les femmes, de certaines localités, mon frère, ah! Tu dis, mon chéri, je suis fatigué aujourd'hui. Non, encore. Mais comment ça? Encore. Ça, c'était hier, le matin, le soir, le midi. Mais maman, moi, je suis pareil, une pompe par essence. Moi, j'étais à m'arrêter. Maman, faut te calmer. Non, chéri, encore. C'est un démon. Tu es sous une oppression démoniaque. Non, il y en a qui grattent les têtes. Gratte ta tête. C'est une oppression. Tu es sous une influence. Tant que c'est... Écoute-moi bien. Tu peux aimer Dieu, marcher avec Dieu. Mais tant que cette influence n'a pas été brisée, elle va te pousser à faire des choses que tu vas regretter. Tu dis, mais pourquoi je fais ça? J'aime ma femme. Mais elle n'est pas là. Même quand elle est là, elle est fatiguée, non? Elle est enceinte. Bon, comme elle est enceinte là, je cherche maintenant. C'est une influence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Ça vient de ta région. Il y a un esprit dans ta région qui contrôle la région, qui fait que les gens de ta région agissent de telle manière. Et si toi tu n'as pas brisé cette influence, tu es oppressé. Tu vas faire des choses que tu regrettes. D'autres localités, là-bas ce n'est pas la débauche, c'est l'inceste. Là-bas mon frère, on couche avec tout le monde. Quand on est marié, en fait, c'est juste pour la forme. Mais sinon en réalité, quand je suis marié, la belle-sœur, c'est ma femme. La belle fille, c'est ma femme. Les gendres, les sous-gendres, tout le monde couche avec tout le monde. L'inceste est établi. Le beau-père couche avec sa belle fille. La fille couche avec son papa. Son papa couche avec sa nièce. Et on appelle tout le monde ma femme. C'est pas au Congo, hein, mais dans d'autres pays. Non, pourquoi vous rigolez? Pas au Congo, nous on est bien. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Donc ils vont voir Pasteur Abi, ils vont dire Pasteur Abi, ma femme. Ah non, excuse-moi. Pasteur Abi, c'est la femme chouchou, la Miss Merveille du pasteur Yves. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a jamais d'autre. Abou, Pia, et si, Li. Moi, quand quelqu'un dit, ah, ma femme, je dis, non, excuse-moi, c'est la mienne. Propriété privée de Yves Castano, d'éternité, ça fait 25 ans, ça ne changera jamais. Et moi-même, je dis un bon Amen. Je ne partagerai pas ma femme avec quelqu'un. Jamais. Même pas dans la plaisanterie. Jamais. Tu n'as pas dit Amen. Mon ami, dit Amen pour toi-même. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Mais si tu as tendance à partager, fais attention. Ce sont des influences démoniaques. C'est un esprit d'inceste qui te pousse à faire ça. Ils sont sincères avec Dieu, mais ils font des choses abominables. Ils aiment Jésus, mais ils font des choses abominables. Pourquoi? Malédiction, influence de la région. Dans d'autres cas, c'est l'influence même du pays. Tu dois vivre comme quelqu'un qui est sous l'influence du Saint-Esprit seulement. C'est-à-dire que, écoute ce que je suis en train de dire. Parce que ces choses détruisent le destin des hommes. Abraham, sort de ta patrie. Est-ce que toi, tu es sorti de ta patrie? Est-ce que... Il y a des comportements que tu as tendance à reproduire, mais qui proviennent des comportements des gens de ton ethnie. Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as, ou même une manière de parler que tu as, qui ne vient pas que de toi ou de ta famille, mais qui provient de la localité où tu habites?
Tu es sous une influence. Un esprit impur qui contrôle la région te contrôle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Je te dis ça pour te montrer des exemples. C'était juste des exemples pour te montrer que de la même manière qu'un esprit de pauvreté peut venir de la maison de tes parents, mais peut aussi venir d'une région très pauvre dans laquelle tu habitais. Les gens comme le pasteur Matthieu ont brisé le pouvoir. Ils venaient d'une région très très pauvre. Et la plupart d'entre nous, nos villages sont pauvres. Nos villes sont ruinées. Mais nous pouvons marcher dans la bénédiction par le sang de Jésus-Christ et briser l'influence de cet esprit sur ta vie. Comme ça, quel que soit ce que tu as, hein, tu ne le perds pas. Parce que n'oublie pas que quand Satan attaque par la malédiction de la pauvreté, il veut t'empêcher de jouir de la vie. Il veut t'empêcher d'avoir des mains bénies. Or Dieu a dit, je rendrai tes mains puissantes. Le Seigneur veut rendre tes mains fortes. Quand on parle des mains, on parle de quoi? Du travail. Un travail où tu es heureux, où tu es béni et tu bénis les autres. Dis amen. Un travail où tu te multiplies. Tu commences ici, tu passes là. Mais toi, depuis 1920, ton grand-père et ton arrière-grand-père avaient la même boutique au même coin de Poto-Poto. Ça n'a pas changé. C'est toujours la boutique là. Ça n'a pas grandi. C'est toujours les mêmes produits que tu vends. Esprit de limitation, de blocage. Mais toi, tu vas briser ces barrières. Quand tu vas faire des affaires, on te verra partout dans le pays. Tu commenceras à un point A et tu vas commencer à t'étendre. Tu vas commencer à grandir les stocks, à grandir le magasin, à grandir le garage, à grandir le salon de coiffure, à grandir le commerce. Et après, commencer à planter un commerce ici, un commerce au nord, un commerce au sud, un commerce à l'est. Tu vas commencer à te déployer. Ça s'appelle briser l'esprit de pauvreté. Dis amen. Quand on parle de la pauvreté, le contraire, c'est l'abondance, c'est la richesse. Mais la richesse ne veut pas dire des milliards, non. La richesse veut dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oui, tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai tellement maintenant que je peux bénir les autres. Dis amen si c'est ton cas. C'est le genre de dimension dans lequel Dieu veut t'emmener. Et aujourd'hui, il m'a dit, je veux que tu pries et tu brises la malédiction de la pauvreté de la vie. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, écoute-moi. Dieu m'a envoyé établi. Tout esprit de pauvreté et qui vient de la maison de ton père, aujourd'hui, dans quelques instants, son influence va être détruite. S'il venait de ton village, son influence va être détruite. Il vient de la ville du pays, son influence doit être détruite. Par le sang de Jésus, on sort. Par le sang de Jésus, on sort. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, mais il faut sortir. Tant que tu ne sors pas, tu seras otage. Mais ici, je t'ai dit, si tu es de la famille ICC Brazzaville, personne ne sera captif, otage du monde des ténèbres, otage de la pauvreté, otage du manque. Non, si tu veux être manque, tant pis pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a dit assez. Il faut sortir de là. Ça, on sort par la foi. D'où vient la foi? De la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Galates 3, je te le répète toujours, pour que tu en sois pleinement conscient. Christ nous a rachetés. Christ, Jésus le Christ, nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a quoi? Libérés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, dedans là, il y a la malédiction de la pauvreté. Il y a l'influence de la pauvreté. Il est devenu pauvre pour nous. Il est devenu malédiction à notre place. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oh, afin que la bénédiction de Abraham et pour les païens et pour toi son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Dieu avait dit à Abraham là doit s'accomplir dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi je te dis dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il est écrit, vous savez, 1 Pierre 1 18, vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire
délivré, c'est-à-dire libéré de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos ancêtres. Les ancêtres avaient donné un héritage, mais cet héritage, tu dis non, je n'en veux pas, je le brise par le sang de Jésus, je sors de cet héritage. Il dit, ce n'est pas par de l'or, c'est pas avec les offrandes, c'est pas avec l'argent, non, il dit, mais c'est par le sang précieux, oh, le sang précieux du Christ, comme d'un agneau qui est sans défaut et qui est sans tache. Mon ami, Christ a été crucifié pour que toi tu sois béni. Christ a été meurtri. Ses mains ont été percées de deux côtés. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus a été percé sur sa main gauche, percé sur sa main droite. Il te redonnait la puissance financière, la puissance de la bénédiction. Il te sortait de la pauvreté. Parce que les mains d'un homme symbolisent le travail. Jésus veut que tu aies un bon travail. Un travail qui te satisfait. Un travail qui te rémunère. Il veut que tu aies du business, des commerces. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que Dieu dit? Dieu a déjà dit qu'ici, il y aura beaucoup, ici, il y a beaucoup d'employeurs. Le Congo entendra parler de jeunes qui sont ici, des vieux qui sont ici, des anciens qui sont ici. Ici, il y a beaucoup d'employeurs. Vous allez créer de la richesse, créer de la valeur. Pourquoi? Parce que vos mains sont bénies de Dieu. Christ a été maudit pour que toi, tu sois béni. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. C'est par le sang de Jésus que nous avons été délivrés de l'héritage des pères. Quand on veut bénir une ville, on bénit la ville en la sortant d'abord de la malédiction. Comment? Par le sang de Jésus. Cette semaine, on doit prendre au moins quelques minutes pour prier pour la ville de Brazzaville. Ah oui, parce que la ville, il y a trop de challenges. Quelqu'un doit se lever et dire, je déclare sur Brazzaville l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Sur les airs, sur l'air, la terre et le sol de Brazzaville, nous plaidons les mérites, la puissance, les vertus du sang de Jésus et nous délivrons la ville des malédictions. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 11, une ville s'élève par la bénédiction des hommes justes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Il y a des gens qui ont parlé sur le Congo, ils ont parlé sur Brazzaville, ils ont dit que le pays ne sera jamais rien, le pays est perdu, le pays est foutu, il n'y a pas d'espoir, ni pour les entreprises, ni pour les habitants du Congo. Ils ont dit qu'on doit être pauvre ici, de génération en génération. Nous on se lève, on dit, ah non, Christ nous a rachetés de la malédiction qui a été prononcée sur le Congo et sur nos villes et sur nos villages. Quelqu'un doit se lever pour dire assez. Premièrement, toi tu sors. Et quand tu sors, tu fais sortir aussi ta ville. Tu fais sortir ton pays. Oh, dis amen ici. On sort de la malédiction, de la pauvreté. Frère, prends cette parole au sérieux. Je ne l'ai pas inventée. Il m'a dit, va faire sortir mon peuple. J'avais dit vendredi, le Seigneur m'a dit dimanche, c'est le jour où on sortira de la malédiction, de la pauvreté. Mon frère, s'il y a un démon de pauvreté qui t'accompagnait, tu peux déjà lui dire bye bye. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de ton règne et son influence est brisée ici. À qui suis-je en train de parler? Dis amen pour toi-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on a entendu le message? Quand on a entendu en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Nous avons quoi là? Par sang! Par sang! Le Seigneur m'a dit, mon fils, reste sur le sang. Ne quitte pas le sang. Ne change pas de message. Ne change pas de langage. Ne cherche pas la popularité. Cherche la productivité. Cherche que leur vie soit changée. Ne fais pas le oh, un nouveau message, nouveau genre. Non, mon ami, on reste sur le sang. On sort par le sang et on entre dans la terre promise par le sang. C'est par le sang. C'est par le sang qu'on sort. Moïse a fait sortir Israël par le sang des agneaux. Il les a conduits dans la terre promise, toujours par le sang de Jésus. Oh, acclame Jésus et dis-moi un bon amen. Le diable n'aime pas entendre parler du sang. Il ne veut pas qu'on parle du sang. Il ne veut pas qu'on parle du sang. Mais nous, par le sang de Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton niveau. Je ne connais pas tes ressources. Mais je connais celui qui délivre. Je connais celui qui libère. Je connais celui qui guérit. Je connais celui qui sauve. Il s'appelle Jésus et il te délivre ce matin par son sang et la puissance de son esprit. Si tu reçois ces paroles, donne un amen. Tes activités ont été comme bloquées.
tes activités ont été paralysées depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Toutes les portes te sont fermées. L'esprit de pauvreté est en train de te fermer des portes. Bonne nouvelle, aujourd'hui, son pouvoir sur ta vie est brisé par le sang de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui envoie sa parole. Il a dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et elle est fait sortir de la pauvreté. La parole aujourd'hui que j'envoie, elle te fait sortir de la pauvreté. Pas demain, c'est aujourd'hui. Assez. Tu sors par le sang de Jésus. Dans quelques instants, nous allons faire une chose. Dis-moi amen. Dans quelques instants, on va prendre la Sainte-Seine. Pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte-Seine? Il y a deux semaines, on a pris la Sainte-Seine. Waouh! J'ai vu des témoignages, des guérisons, des miracles. D'ailleurs, je parle de l'esprit de pauvreté, mais certains d'entre vous, d'autres choses vont sortir. Si tu es venu avec quelque chose qui te dérange, une maladie ou quoi que ce soit, pendant qu'on prend la Sainte-Seine, quand on aura fini, engage. Maintenant, tu dis par le sang de Jésus, non seulement un, je sors de la pauvreté, car c'est le sujet du jour, mais je sors aussi de cette infirmité, de cette mal de ventre, de ce mal de dos, de ce mal de pied, de ce mal des reins, de ce mal de tête. Je te dis que tu ne pars pas avec la maladie avec laquelle tu es venu. Cette maladie avec laquelle tu es venu, elle reste, elle ne part pas, elle reste, elle est. On lui donne un mandat d'arrêt. Elle ne bouge plus, elle est paralysée et elle est détruite de ton corps. Ah, quelqu'un me dit amen ici. Reste sur le sang. Oh. Apocalypse 12, verset 10. Je te le redis et je vais terminer. On va passer à la Sainte-Seine. Et avant ça, on va faire l'appel au salut. Maintenant, le salut est arrivé. J'entendis dans le ciel plutôt, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le mot salut veut dire la délivrance, dit amen. Le mot salut veut dire la préservation, dit amen. Le mot salut veut dire la sécurité, dit amen. Le mot salut veut aussi dire la bénédiction, dit amen. Le mot salut veut aussi dire la guérison, dit amen. Un seul mot qui englobe beaucoup de mots. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. On parle de mon Jésus. Oh, dis-moi amen. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accablait, celui qui voulait ta peau, celui qui voulait te détruire nuit et jour. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. N'oublie jamais ce verset, grave dans ton cœur. Satan a été vaincu. Les esprits de pauvreté ont été vaincus à cause du sang de l'agneau. À cause de quoi? Du sang de l'agneau. Pas à cause d'un pasteur ou d'un prophète, mais à cause du sang de l'agneau. À cause du sang. Uniquement le sang de Jésus. Ne commencez pas la distribution, s'il vous plaît. Ne commencez pas la distribution. Je n'ai pas encore fait l'appel au salut. Ne commencez pas la distribution, s'il vous plaît. En attendant, quelques instants, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit amen. Là où tu es, avant que je fasse l'appel au salut, tu vas répéter avec moi cette sainte prière. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour où je sors de l'influence de la pauvreté et de la misère. Jésus a pris ma place. Aujourd'hui, je déclare, je sors par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, moi je sors. Je te remercie. Je te loue. Jésus, mon Seigneur, dit amen. Il va te faire sortir dans quelques instants. Et ça va être ratifié, ça va être scellé, ça va être établi. Avant que je ne le fasse, acclame d'abord ce Jésus qui te fait sortir. Rends-lui gloire. Oh, apprécie-le, honore-le, bénis-le, célèbre-le. Est-ce que tu es en train d'acclamer pendant quelques instants le nom de Jésus? Mon frère, on parle de ton histoire, on parle de ton avenir. Je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Oh, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais il faut que tu sortes. Dans le domaine financier, tu dois sortir. Il veut te rendre fort, il veut te rendre productif, il veut multiplier tes affaires. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un me dit amen ici en son honneur. Gloire à Jésus. Asseyez-vous deux secondes. Avant que je ne fasse, avant qu'on ne passe à la Sainte-Seine. Parce que nous allons ratifier à ces paroles qui viennent d'être sorties.
Nous allons mettre le cachet. Et pour le faire, nous allons renouveler l'alliance. Pour casser une alliance, il faut entrer dans une autre alliance. Toutes les alliances sataniques qui ont été faites sur la base du sang versé. Soit par une chèvre, hein, je ne sais pas quoi. Mais nous avons le sang de Jésus qui nous plaide. En prenant la scène, celle qui était un mystère, on ratifie, on établit, on renouvelle l'alliance par laquelle, dans laquelle le sang de Jésus-Christ nous a établis. Quand tu prends la Sainte-Seine, tu es en train de dire, bon, je quitte cette influence. Pourquoi je prends la Sainte-Seine? C'est juste un point de contact. Certains ont besoin que de la parole, ils sont délibérés. D'autres ont besoin qu'on les touche. Dieu te touche par la Sainte-Seine. Parce que par la Sainte-Seine, tu communies au corps et au sang de Christ. C'est-à-dire que la vie de Jésus renouvelée en toi. Et le sang parle encore en ta faveur. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a ma vie à moi. Et quand la vie pénètre en toi, la vie du diable est brisée. Mais c'est un effort que tu dois faire de manière consciente. Si tu me suis, dis-moi amen. Amen. Mais avant cela, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir jouir de cette grâce, bénéficier de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la libération de Dieu. Il ne veut pas seulement que ce soit ceux qui sont nés de nouveau déjà, non. Il veut appeler même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il veut vous sauver maintenant. Et quand vous allez répondre à l'appel au salut, on va tous ensemble prendre la Sainte-Seine. Car quand on prend la Sainte-Seine, on commémore, on célèbre le triomphe de Jésus, le triomphe de l'agneau de Dieu, la victoire de Jésus le Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous êtes là pour la première fois ou la énième fois, mais dans ton cœur tu sais que tu n'es pas encore sauvé, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu sais que tu n'appartiens pas à la famille de Dieu, tu viens à l'église, c'est vrai, mais tu n'es pas sauvé, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'est même pas le souverain de ta vie, il n'est pas le maître de ta vie, il ne l'est pas encore. Venir à l'église, ça ne veut rien dire, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que tu as fait de lui le maître, le propriétaire de ta vie. Le guide de ta vie. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ou si tu es déjà à l'église depuis longtemps, mais tu n'es pas encore né de nouveau, il veut te sauver aujourd'hui. Pourquoi ne réponds-tu pas aujourd'hui? Et si tu n'es pas encore sauvé, tu es là pour la première fois ou la deuxième fois, mais tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau, Jésus t'appelle maintenant. Il a été crucifié pour toi de 9h à 15h. 6h, il était nu. Regarde, en quelques heures, ce Jésus, Fils de Dieu, il a connu la faim. Il a eu faim. Il a eu soif. Et il a été privé de tous les vêtements. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. En quelques heures, il a connu ce qu'on appelle la pauvreté. La faim, la soif et le manque de vêtements. Et toi, tu veux dire que le diable veut encore t'oppresser par la pauvreté. La pauvreté, c'est fini aujourd'hui. Je parle de l'esprit de pauvreté. Après toi, tu dois changer maintenant ta mentalité. Changer ta manière de penser. Mais cette influence démoniaque de pauvreté, qu'elle vienne de la maison de ton père, qu'elle vienne de ton ethnie, qu'elle vienne de ton pays, aujourd'hui, par le sang de Jésus, elle va être brisée. Mais avant cela, il faut d'abord que tu reçoives Jésus-Christ si tu n'es pas encore de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui veut naître dans le royaume de Dieu, qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et commencer un nouveau départ? Si c'est votre cas, levez votre main et mettez-vous debout là où vous êtes. Dieu vous appelle, il veut vous sauver, il vous accorde un nouveau départ. C'est une décision qui est très importante. Oui, est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? La première des bonnes décisions, c'est celle-là. Entrer dans le royaume, entrer dans le royaume, entrer dans la famille de Dieu. Famille, c'est ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour eux? La décision la plus importante, la plus capitale, c'est celle-là. Rentrer d'abord dans le royaume. Jésus vous appelle. Jésus vous tend la main. Jésus vous invite à entrer dans le royaume. Il est écrit que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Il vous appelle à entrer dans le royaume. Oh, mais je croyais que vous alliez acclamer parce qu'ils sont nombreux à se lever ce matin. Jésus vous appelle. C'est votre jour, c'est votre moment, c'est votre heure. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Je termine, c'est simple. Il a dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, il dit... Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Comment on fait pour être sauvé, pour entrer dans le royaume? Deux choses. Tu dois croire dans ton cœur
que Jésus est vraiment vivant. Et mon frère, ma soeur, il n'est plus que vivant. Il règne d'éternité en éternité. Sa mort, c'est le seul à avoir dit, je meurs, dans 3 jours je reviens. 3 jours après, il est revenu. Waouh, Jésus de Nazareth. À lui seul l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et pour toujours. Alors, pour éviter que vous soyez distrait, vous êtes vraiment venu dans un bon jour. Parce que c'est votre jour en même temps de libération. Si vous le croyez, vous qui êtes debout, dites Amen vous-même. La parole est sort. Vous croyez, elle s'accomplit pour vous. Faites comme les musulmans. Quand ils entendent l'évangile, ils ne calculent pas. Oh, je suis catholique, je suis protestant, je suis machin. Et puis, ils croient, ils disent ah bon, ça, c'est Jésus, il me guérit. Ah, je crois. Ils sont guéris instantanément. Vous allez être délivrés instantanément aujourd'hui. Cette force, cette présence, cette influence, cette diabolique qui vous pousse dans la pauvreté extrême, vous n'en entendrez plus parler et vous ne la verrez plus jamais. Et cette parole est valable pour tout le monde, pour ceux qui croient. Seulement pour ceux qui croient. Je vais vous demander d'incliner la tête pour ne pas être distrait. C'est une révérence envers Dieu, mais pour vous-même, pour ne pas être distrait. Fermez vos yeux, inclinez votre tête et répétez cette sainte prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort à la croix du calvaire pour me donner une vie nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, efface mes fautes, purifie-moi et accorde-moi un nouveau départ. Je veux marcher avec toi, je veux te connaître, je veux te plaire. Seigneur Jésus, je te reçois et je te remercie. Merci de me sauver, de me faire entrer dans ton royaume. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'as attiré ce matin dans ton royaume. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Je déclare désormais dans le nom de Jésus-Christ, désormais, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Désormais, je suis sauvé. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus le Christ, mon Seigneur, qui a versé son sang pour moi. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos frères et nos sœurs qui ont fait cette prière pour la première fois? Là où ils sont, est-ce que tu peux les féliciter? Ils sont à côté de toi. Dis-leur, serre-leur la main, dis-leur bienvenue dans le royaume. Ne regarde pas comment ils sont habillés, dis-leur bienvenue dans le royaume. Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus sauve un peuple nombreux. Jésus sauve des multitudes. Gloire à son nom. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, acte 2. Nous allons, toutes les paroles qui sont sorties aujourd'hui te concernant, tu vas les ratifier en t'engageant dans l'alliance encore par le sang de Jésus-Christ. Pour briser les malédictions, on rentre dans une nouvelle alliance, dans un sang qui est supérieur, le sang du Messie, et il va te le prouver. Son sang va parler et son sang, il y a de la puissance pour te délivrer. Quelqu'un dit Amen. On va commencer à distribuer la Sainte-Cène. Mais s'il te plaît, ne prends rien. Tu reçois le pain et le sang de Jésus-Christ. On va prier dans quelques instants et on va honorer le sang de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. N'oubliez pas, vous ne prenez pas, mais tu dois croire. Ce qu'on fait là maintenant, c'est une ratification. On scelle cette prière. On va sceller nos paroles dans le sang de Christ. Tout esprit de pauvreté qui oppresse ta vie va lâcher prise. Quand on aura pris la Sainte-Cène, ils vont lâcher prise et tu vas leur dire, dégagez de ma vie. Tu vas dire par le sang de Jésus, je sors. Je vais te dire ce qu'il faut dire et tu vas sortir. Personne ne prend la Sainte-Cène, nous célébrons le sang de Jésus. Dans Marc 11, verset 23, écoutez-moi. Il est écrit dans Marc 11, au verset 23. Écoutez, s'il vous plaît. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, c'est le problème. C'est la situation.
C'est l'esprit qui oppresse. C'est cette oppression. Mais si pendant que je parle, tu as identifié d'autres domaines dans ta vie dans lesquels, desquels tu as envie de sortir maintenant, aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu as identifié autre chose pendant que je parlais, les choses qui t'oppressent et tu veux t'en débarrasser, n'attends pas demain, fais-le aujourd'hui. Oh, quelqu'un dit amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, il dit à cette influence démoniaque, dis avec moi cette influence. Il dit, ôte-toi de là, c'est-à-dire dégage de là. Dégage, repars dans les enfers, repars dans les lieux arides d'où tu viens. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. Cette parole est pour toi. Il faut que tu parles. Parle comme si c'était ta dernière fois de parler. Comme si tu parlais pour la dernière fois. Parle avec courage. Parle avec audace. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui dit. Si tu dis à cette montagne, tu dis à esprit de pauvreté, à partir d'aujourd'hui, je brise ton pouvoir et je sors de ton influence par le sang de Jésus. Et si tu crois, tu le verras s'accomplir. Mon frère, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, marque-le dans l'agenda. C'est un nouveau départ. Tu vas quitter la sphère de la pauvreté pour rentrer dans la sphère de la grâce, de l'abondance, de la richesse, de la force, du travail qui est productif, du travail qui porte du fruit, où tu n'as pas à souffrir. Non, tu travailles et tu es content de travailler. Oh, quelqu'un me dit amen. Pouvons-nous prendre juste le temps? Ne prends encore rien. Nous voulons dire au Seigneur, ma délivrance est dans le sang de Jésus. Je dis, ma délivrance est dans le sang de Jésus. Ma délivrance est dans le sang. Ce n'est pas un chant. C'est une déclaration de foi. C'est une proclamation de foi. C'est une prière de foi. J'ai dit ma délivrance. Délivrance aujourd'hui de la puissance, de la pauvreté, de la misère. Ma délivrance. Cet esprit de pauvreté, cet esprit de misère. Ma délivrance. Dis-le encore. Proclame-le, ma délivrance. C'est ton histoire et c'est aujourd'hui. Mon frère, traite ce problème aujourd'hui. Traite cette délivrance aujourd'hui. Attaque-la aujourd'hui. Détruis cette influence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma délivrance. Elle est dans le sang. Délivrance des influences de la maison de mon père. Esprit de pauvreté qui vient de la maison de mon père. Ma délivrance. Dis-le toi-même. Est-ce que tu es en train de le déclarer? Je te dis, ce n'est pas un chant. Tu es en train de penser à ta prospérité, à ta richesse, à ta force, à ton travail pour aujourd'hui et pour demain. Reçois cette délivrance par le sang de Jésus-Christ. Ma délivrance, elle est dans le sang. Parle. Dis-le-lui, ce n'est pas un chant, c'est une déclaration de foi. C'est une proclamation de foi, ma délivrance. Oh oui, j'ai dit aujourd'hui ma délivrance de l'esprit de pauvreté et de tout autre esprit qui t'accable. Aujourd'hui, on ratifie l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Ma délivrance, elle est dans le sang. Dans le sang de Jésus-Christ. Ma délivrance est dans le sang de Jésus. Oh. La victoire, ma victoire, ma victoire, oh oh oh. C'est ma victoire pour aujourd'hui, c'est ma victoire pour tout le mois de mai,
C'est ma victoire pour tous les jours à venir. Ma victoire. Oh, 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 oh. Elle est dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis pour toi-même? Oh! Est-ce que tu es en train de déclarer? C'est une affaire personnelle. Ma victoire dans le sang de Jésus. Ma victoire dans le sang de Jésus. Il est écrit dans la nuit où il fut livré. Le Seigneur Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, on va rendre grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te présentons ce pain qui est dans notre main. Nous te rendons grâce. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous sanctifions ce pain comme étant le corps brisé de Jésus-Christ. Il n'est plus un pain ordinaire. Il devient un aliment spirituel qui rentre dans un corps naturel pour apporter la puissance de la vie divine dans ma chair et pour briser tout ce que Satan a planté dans notre corps. Dans quelques instants, tout ce qui est dans ton estomac, dans tes poumons, dans ta tête, dans tes pieds, dans tes reins et qui bouge et qui te trouble, pas au nom de Jésus-Christ. La vie divine rentre en moi. La vie du diable sort. L'activité démoniaque sort parce que la vie divine rentre. Nous te présentons aussi ce breuvage. Nous le consacrons comme étant le sang précieux de Jésus le Christ. Le sang qui coule depuis la croix du calvaire est maintenant dans les mains de mon frère et de ma soeur. Nous tenons dans nos mains la coupe de la nouvelle alliance. Tu as dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nous tenons dans nos mains. Nous buvons dans quelques instants le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance. Et en prenant le corps de Jésus et en buvant le sang de Jésus, nous ratifions, nous confirmons aujourd'hui que nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie qui abonde et la vie qui nous rend heureux et qui nous rend prospères. Alors en mémoire du triomphe de Jésus le Christ, je vous invite maintenant à prendre le corps, le pain, le corps brisé de Jésus. Prenons-le ensemble. Gloire à Jésus le Christ. De même, Jésus prit la coupe après avoir rendu grâce. Il la donna à ses disciples en disant, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang ou encore en mon sang. Mon frère, ma soeur, c'est la coupe que tu prends dans tes mains. Ce n'est pas du jus. C'est le sang précieux de Jésus. Il est consacré. C'est le sang de l'alliance nouvelle. En prenant ce sang, tu viens de dire au monde des ténèbres, tu dis au monde des ténèbres, je change de camp. Je brise cette influence. Je brise ces malédictions. La malédiction de la pauvreté à partir d'aujourd'hui. Le sang de Jésus parlera pour moi et il dira abondance. Le sang de Jésus parlera pour moi et il dira prospérité. Il dira force. Il dira vitalité. Il dira emploi créatif, travail créatif. Il dira créateur d'emploi, emploi bien rémunéré, vie bien gérée, vie épanouie. C'est ce que le sang de Jésus dit. Et il dit et il parle et il confirme sa parole. Alors ensemble, en l'honneur de Jésus qui a versé son sang pour toi, ma soeur, mon frère, prenons ensemble le sang de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, prends quelques secondes. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, c'est la puissance de la foi. Alors répétez avec moi. Attendez, répétez maintenant avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, aidez ceux qui sont en train, les démons qui sont en train de sortir, aidez-les. Dans le nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, libéré pour moi, versé pour moi, aujourd'hui, je brise l'influence de la pauvreté, de la misère sur ma vie,
sur ma maison, sur ma carrière, sur mes études, sur mon travail, sur ma destinée, par le sang de Jésus. Je sors, j'ai dit, par le sang de Jésus, je sors de toute influence, de tout esprit de pauvreté qui vient de la maison de mon père, de mon ethnie, de mon pays, par le sang de Jésus. Je sors de cette influence diabolique. Je suis libéré. Je suis libéré par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Je déclare, je sors. Maintenant, parle toi-même, prophétise toi-même, continue de déclarer toi-même, déclare de tout ton cœur, déclare de tout ton cœur, prie avec force, prie avec foi, déclare, déclare, plus de manque, plus de manque, plus de manque, assez, c'est assez. Aujourd'hui, assez, c'est assez. Plus de manque, plus de manque. Non, c'est terminé. Je brise ton pouvoir sur la vie de ce peuple. Esprit de pauvreté, esprit de misère, ton joug, ton pouvoir sur ce peuple, ceux qui croient, est brisé dans le nom de Jésus. Est brisé dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté et de misère, oppressez les gens pendant tellement longtemps. Votre pouvoir est détruit au nom de Jésus-Christ. Ce peuple marche dans la nouvelle alliance. Ce peuple marche dans l'alliance, dans le sang de Jésus et la fondation. Est-ce que tu es en train de parler? Parle toi-même. Déclare toi-même. Ne te tais pas. Ne te tais pas. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de te taire. Parle. Déclare. Tu es en train de parler à ton avenir. Tu refuses la pauvreté. Tu refuses la misère. Tu refuses. Jésus a été fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi tu sois enrichi. Refuse, refuse toutes les formes de pauvreté. Hier, aujourd'hui et demain, elle quitte ta vie. Assez, c'est assez. Est-ce que tu es en train de parler? Parle avec colère, parle avec foi, parle avec foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne sais pas comment Dieu va faire, libère-toi, brise le joug de la pauvreté. Est-ce que tu es en train de briser ce joug? Est-ce que tu es en train de briser cette influence? Dans le nom de Jésus le Christ, Seigneur et Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, tu m'as envoyé ce matin. Tu m'as dit de parler et de libérer ton peuple de toute influence de pauvreté dans la vie de ce peuple. Tu as dit que tu veux détruire toutes les formes de malédiction, que ton peuple en sorte par le sang de ta croix. Je me tiens devant toi et devant ton peuple. Je lève ma main devant Dieu. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, qui m'a appelé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour être la lumière des nations, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Tu es Jésus le Christ et tu confirmes cette parole. C'est toi qui as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je me tiens devant toi au nom de Jésus et je déclare et je commande l'emprise, l'influence de tout esprit de pauvreté sur la vie de ce frère, de cet homme, de cette femme qui a reçu ces paroles avec foi. Cette emprise est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a reçu les paroles par la foi, mais je sais que plusieurs ici ont capturé ces paroles. Ils les ont reçues avec foi et avec un cœur reconnaissant. Et ils ont répondu à cette instruction prophétique. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, fais de ce peuple un peuple distingué. Un peuple qui marche dans la bénédiction abondante de Dieu. Un peuple qui expérimente la provision divine au quotidien. Un peuple qui ne manque absolument de rien. C'est toi seul qui sais comment tu fais. C'est toi qui sais par où tu passeras. Mais nous te prions dans le nom de Jésus que toutes les formes d'influence, de malédiction
d'oppression, de la pauvreté dans la vie des hommes qui entendent le son de ma voix. Et ceux qui sont sur internet, à la télévision, à la radio, et ceux qui sont ici au palais de gloire, que ces influences démoniaques par le sang de Jésus soient détruites une fois pour toutes. Elles sont détruites aujourd'hui, elles sont détruites pour demain, elles sont détruites pour toujours. Nos enfants, les générations après nous, n'auront plus à rougir. Ils ne diront pas où est votre Dieu. Nous leur dirons que notre Dieu, c'est le Dieu qui fait grâce. C'est le Dieu qui nous accorde ses bienfaits, qui nous rassasie de ses bontés. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je commande, ces paroles sont accomplies. Et je prophétise, celui qui entend ces paroles avec foi, il le verra s'accomplir. Tu ne sais pas comment ça sortira, mais ça sortira. Il a dit, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle qui est sur le point de paraître. Ne la connaîtrez-vous pas? Mon ami, tu vas connaître ce qu'on appelle la saison de l'abondance, la saison de la grâce, où désormais, tout le monde ne reçoit pas ces paroles, je le sais, mais beaucoup reçoivent ces paroles. À toi qui reçois ces paroles, comment cela se fera? Je ne peux pas te l'expliquer. Parce que Dieu, on l'appelle le Dieu suprême, immortel, invisible, le Dieu de l'impossible. Devant lui, il n'y a rien d'impossible. Tout ce qu'il veut, c'est que la foi soit manifestée. Et quand tu manifestes la foi, la puissance de Dieu te localise et te fait sortir des ténèbres. Elle te fait sortir ce matin par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens devant Dieu et je déclare ta sortie de la pauvreté dans le nom puissant de Jésus le Christ. Si tu reçois ces paroles, donne un amen de quelqu'un qui a été exaucé. J'ai dit donne un amen de quelqu'un qui a été entendu par Dieu. La troisième fois, ne t'occupe pas de ton voisin. Donne un amen de quelqu'un qui a été secouru. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus le Messie? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus le Christ?